Bon bah voilà, vous l'avez vu. C'est terminé. Ça y est, c'est fini. Peinture terminée de l'Acadienne. Alors ça n'a pas été sans peine hein, quand même. Hein. Donc vous voyez, j'avais couvert tous les panneaux. Le pare-brise, j'ai un problème de taille. Faut que je règle ça plus tard, il n'est pas encore là. Là... J'ai dû cacher toutes les fenêtres. Je vous cache pas, rien que de cacher les fenêtres, c'est un temps monstrueux. Hein. C'est incroyable le temps qu'il faut. L'intérieur, tout est bon. Voilà, bon, ça rend pas top à l'image, enfin, je sais pas. Moi, mon retour est pas top, ça fait un bleu trop clair, alors qu'en fait, c'est un bleu vert. Hein. C'est le bleu lagune. Hein. Et en fait, c'est tellement brillant que je suis sûr que vous me voyez dans le retour. Le brillant, est, vraiment, c'est quelqu'un que bah, vous avez vu dans le timelapse. Hein. Merci beaucoup à lui. C'est lui qui a beaucoup de connaissances en peinture, qui m'a vraiment appris, qui m'a tout appris en fait, en peinture. Donc en fait, les problèmes qu'il y a, j'ai des cratères ici parce que. Il y a eu des minuscules gouttes de graisse qui sont déposées dans le bas des portes. Alors comment ça, j'en sais rien. Là, on le voit un peu, là. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Et dans la tente, du coup, voilà, tout est peint. On voit même plus la différence entre le plastique et la ferraille. Hein. Clairement, on la voit plus. Et là, j'ai failli avoir une coulure ici, mais ça s'est bien... résorbé. Donc tout est brillant. Donc c'est-à-dire, on le voit un peu dans le tableau de sa préparation. Donc dans l'échelle, donc 4, premier niveau de peinture, deuxième niveau jusqu'en haut du durcisseur, et un petit peu de diluant jusqu'au-dessus du chiffre 4. Donc ça c'est pour la base classique, la première accroche ou la deuxième couche pour charger. Et ensuite la dernière couche qui fait cet effet brillant, qui empêche d'avoir du mat, hein. Là on met premier niveau de durcisseur, et jusqu'en haut du chiffre 4, du chiffre 1, on met du diluant, donc qui fait le brillant. Voilà, donc ça c'est en gros les trois couches. Enfin la dernière c'est pas une vraie couche, c'est vraiment un film très très fin qu'on fait, on charge pas trop pour faire le brillant. Donc voilà. Voilà, la voilà peinte. J'ai du mal à y croire quand même, mais bon, c'est une grosse étape, c'est la grosse dernière étape. Maintenant, faut tout remonter tranquillement. Moi je vais vous laisser pour cet épisode là. On se retrouve très bientôt dans un rassemblement. Où on va sortir la Dosh 6. Donc voilà, on ira faire un petit tour en Dosh. Voilà. Donc, voilà, c'était l'épisode peinture. À bientôt pour du remontage. Électricité, on va tout faire.